prends ton chien dès que tu me donnes mon chèque. Oui. Je te donne ma parole d'honneur. Ouais, c'est ça. Bye bye. Il a fait un emprunt, il a vendu des titres. Je savais qu'il pouvait pas vivre sans son chien. Super. Ah, si je dois supporter 2 jours de plus les petits oiseaux, les sapins et toute cette cochonnerie de nature, je vais finir par vomir. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à cette chienne? J'en sais rien. Peut-être qu'elle a faim. Encore? Je vais... Ah, je lui ai donné à manger hier. C'est pas possible, ça. Elle va quand même pas manger tous les jours. Des blagues, je rigole. Ils ont même pas de bouteille d'évian ici, on croit rêver. En plus, ils me regardent comme si j'étais une folle. Ah bon? Non, mais ces gens-là, t'essaies de leur parler, tu sens qu'il se passe rien dans leur tête. La chienne? On n'en a pas pour des heures, elle peut rester là. Ces péquenauds avec leur chien, c'est d'un ridicule. Imagina, là? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Un tronc d'arbre. Je suis coincé. Penche-toi en avant. Thank you.
sont là. Moi, j'attrape Missy. D'accord, je m'acquitte des autres. On y va. Thank you.